plus grosse boîte mystère sur Wish. Mais j'ai aussi acheté une boîte mystère Wish à 500 € et une autre boîte mystère à 1000 €. Et j'ai aussi acheté plein d'autres boîtes mystères qui m'ont coûté un total de 15 000 €. On commence tout de suite avec la première boîte mystère Wish à 1 €. J'ai ici un exacto. Attention, c'est une lame très coupante. Faites attention, moment de vérité. Oh! Attends, c'est quoi? Oh, c'est une voiture! Oh! C'est une Lamborghini! Bon, qui m'a coûté 1 €, d'accord, et ouais, est-ce qu'elle fonctionne? Oh oui, mais c'est trop cool! Et regardez ça, il y a même les portes qui ouvrent comme une vraie Lamborghini. Et c'est vraiment cool. Bref, allez, on passe tout de suite à la prochaine boîte mystère. On est rendu à la boîte mystère à 10 €. Alors, normalement, il devrait y avoir quelque chose dans cette boîte d'une plus grande valeur. Voyons voir, voyons voir. Attends, c'est une blague. C'est quoi ça? Pourquoi? C'est quoi? Un poulet. Attends, 10 € pour ce poulet? Mais bon, en même temps, c'est des boîtes mystère Wish, donc faut pas trop se poser de questions. J'ai ici une boîte mystère Wish à 20 €. Elle est vraiment lourde. Et je me demande qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, voyons voir. Oh, intéressant. Attendez, c'est... Oh, c'est des ballons satisfaisants. Oh! Non. Bon, alors j'ai un bac juste ici et je vais essayer de faire éclater cette balle. Allez, voyons voir. Oh, hey, ouais, c'est solide. Quoi? Attends, non, mais c'est trop solide. C'est... Oh, regarde, on dirait du pipi. Oh oui, regardez ça. C'est dégoûtant. L'eau est orange. Hey, c'est complètement dégoûtant. J'adore les objets Wish. La prochaine boîte Mister Wish a une valeur de 50 €. Et pour cette boîte, eh ben, c'est Laurie qui va l'ouvrir. Est-ce que t'es prête? Vas-y. Oui. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, j'espère pour toi que ça va être cool. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu que c'est écrit Minecraft. Oh! C'est quoi? Oh! C'est une pioche Minecraft? Une épée? Il y a pas juste ça pour 50 € quand même? Il y a un costume! Oh! C'est un costume Minecraft! Oh! Je vais te les mettre. Allez! Je vous présente Laurie dans ce costume Minecraft de Wish. Il est ridicule. Mais c'est quoi? Mais c'est dégueulasse. C'est pire que le costume de Sumo. Oh wow. Laurie va garder le costume Minecraft de Wish encore pour la prochaine boîte mystère. Oh non. Alors voici la prochaine boîte mystère que tu vas ouvrir d'une valeur de 80 €. Alors, je me demande vraiment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est quoi? Ok, du papier bulle. Okay. Des poissons! Attends, c'est une blague? Robot fish. C'est des robots en poissons! Oh! Oh my god, il y en a même beaucoup! What? Attends, non, mais c'est trop stylé! Bon, alors ici, on a un bac rempli d'eau et on va mettre les poissons à l'intérieur. Ils devraient s'activer tout seuls au contact de l'eau, donc ils devraient se mettre à nager. Allez, vas-y. Oh! Oh! Attends, c'est une blague? Attendez! Quoi? On dirait qu'il y a des vrais poissons! Ils vont au fond de l'eau puis ils remontent à la surface. Hey, regarde lui en bleu! C'est trop drôle! Non, mais c'est trop cool! Regardez-le! Eh, hey, mais c'est la meilleure boîte mystère! On dirait que c'est des vrais poissons. Est-ce que t'aimes ça les poissons? Oui. Et regardez, eux ils vont se battre, ils veulent se battre. Bon, alors malheureusement, on a ici un poisson qui est décédé. Le rose, juste ici. Il bouge pas. Ouais, je pense qu'il est mort. On passe maintenant à une boîte mystère Wish qui m'a coûté 100 €. Plus que la vidéo avance et plus que les boîtes mystères coûtent cher. Je vous rappelle que tout à l'heure, il y a une boîte mystère de 10 000 € à rouvrir. Et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, moment de vérité, est-ce que c'est une grosse arnaque, oui ou non? Voyons voir. Oh waouh, attends, il y a beaucoup de trucs dans ça. Attends, c'est une fusée? C'est littéralement une fusée que tu peux envoyer dans le ciel. Attends, mais c'est trop cool. Et là, il y a un mini drone avec une genre de balle hélicoptère. Attends, mais c'est une boîte mystère beaucoup trop stylée. Voici tous les gadgets de la boîte Wish. Alors, on va aller les essayer tout de suite dehors. Bon, alors, je suis à l'extérieur et on va commencer avec le petit drone de Wish. Si ce truc vole pour vrai, je suis vraiment impressionné. On va faire un décollage. Oh! Ok. Oh! Oh! Oh non! Non! Mais c'est trop cool! Le drone est rendu vraiment loin. Regardez, il va tomber sur le toit. Non, il est rendu sur le toit! Non! Je pense qu'on a perdu le drone. Oh oui, il est là! Oui! Allez, viens, non! Je l'ai perdu. Je pense que le drone est officiellement perdu. Ouais, rip! On passe maintenant à cette petite boule transparente qui est supposée voler. Alors, on va essayer ça tout de suite. Allez. Oh! Oh oui! Oh non! Oh! Oh, oh.
Pour vrai, ce truc n'a aucun contrôle, mais c'est vraiment cool. J'ai ici la fusée de Wish et j'ai le manuel d'instruction. Comment faire voler cette fusée? Attention, risque d'explosion. Non, c'est une blague, d'accord? C'est un jouet. Pas besoin de ce truc, parce que bah moi je suis littéralement un ingénieur en fusée. Attention, on va se préparer pour un décollage. Attention, attention. Oh non, 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 non. Hey. Oh. Oh. Ce fut complètement raté. Allez, c'est parti. Allez. Ah. Ah. Regardez là. Ah. Attention. Ah, ah non. La fusée est littéralement devenue comme un missile, mais c'est super dangereux. On est rendu à la boîte Mister Wish de 400€. Alors je vais l'ouvrir tout de suite et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors 400€, c'est quand même beaucoup. Ok, c'est quoi? Ok, ouais. Attends, quoi? Oh, attends, c'est un genre de hoverboard. Attends, non, mais ça a l'air beaucoup trop cool. Par contre, la boîte, elle a été un peu torturée pendant le transport, j'ai l'impression. Bon, j'ai assemblé ce genre de skateboard et je vais l'essayer. Je vais me tenir sur ma voiture à 150 000 balles. J'ai jamais fait de skateboard de ma vie. Oh! 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 Ouais, j'ai... Mais qu'est-ce que... Non, je pense pas que c'est comme ça marche. Wouhou! Ah! Ok. Ok, non, je suis beaucoup trop nul pour ce truc. On va maintenant ouvrir la boîte mystère de 500€. Alors, comme d'habitude, petit exacto. Alors, dans la boîte, il y a... Oh, il y a une autre boîte! Je trouve que la boîte est plutôt petite pour une boîte d'une valeur de 500€. J'ai comme peur. Est-ce que je me suis fait arnaquer ou... Ok, il y a encore du papier de soie. Alors, du papier de soie noir et... Attends, ok, c'est des AirPods? Attendez, non, mais il y a plein de trucs. Il y a d'autres écouteurs. Et ça c'est quoi? Ça, c'est deux téléphones, je pense. J'ai hâte de voir. Bon, alors, je sais pas c'est quoi ce truc, mais ça semble être des faux AirPods. Ouais, regardez, c'est littéralement des faux AirPods. Et ça, bah, je sais pas c'est quoi. Attends, quoi? Ok, il y avait ça à l'intérieur, mais c'est pas du tout le même truc que sur l'image. Ok, mais on dirait des vrais. Mais il y a le logo Apple. Attends, quoi? On va ouvrir ça tout de suite. Voyons voir. Ok, ouais. Ok, mais attendez, on dirait vraiment des vrais AirPods. What? Je vais les tester tout de suite. Normalement, les faux AirPods sont connectés. Je vais aller écouter de la musique. Le son est extrêmement mauvais. Ouais, le son est complètement affreux. Et il y a juste un écouteur sur deux qui fonctionne. Par contre, je dois avouer qu'ils sont très réalistes. Maintenant, on va poursuivre avec ces deux trucs. On dirait des palettes de chocolat. Mais je pense que c'est des téléphones. On va les ouvrir tout de suite. C'est quoi cette boîte ou juste? Ouais, bon, il y a du papier bulle autour du téléphone. On dirait vraiment un vrai téléphone, par contre. On dirait un iPhone 4. Alors, il y a un carré noir, il y a le logo Apple. Alors, j'ai l'impression que c'est parce que bah c'est illégal de mettre le logo Apple. Pour une raison que j'ignore, les téléphones ne fonctionnent pas. Peut-être qu'il faut les faire charger. Alors, ça fait 15 minutes que j'ai fait charger le téléphone et il y a toujours rien qui se passe. Je pense que c'est des faux téléphones. Genre, ce n'est même pas des téléphones qui fonctionnent. Alors, je me suis complètement fait arnaquer. Okay, attention. Hey, mais la vitre est quand même solide par contre. Oh non, c'est pas du tout solide. Il y a littéralement rien dans le téléphone. Mais il y a rien? Non mais il y a rien. On dirait juste une plaquette de métal. Non mais c'est littéralement juste du métal. Bref, on passe à la prochaine boîte. Voici une boîte à 700€. Alors c'est une boîte Wish, comme c'est écrit. De toute façon, je pense que vous avez compris le concept de cette vidéo. Je vous rappelle qu'il reste encore la boîte de 1000€, la boîte de 3000€ et la boîte de 10 000€ à rouvrir. Oh mon... Oh my god! J'ai tellement fait un saut! Il y a une araignée! Oh, j'ai pensé ça! J'ai vraiment eu la peur de ma vie! Oh là là! Regardez ça! Alors, c'est une araignée télécommandée, je pense! Et elle est tout simplement effrayante! Oh là là! Waouh! Il y a beaucoup d'autres trucs! C'est une voiture qui, je pense, va sur l'eau! Ici, on a un drone, d'accord? Et on a... Oh non, mais ça, c'est trop stylé! On a... Oh! Petit fail. Alors, on a ici un jet radio télécommandé. Non, mais c'est beaucoup trop stylé. Attendez, c'est la meilleure boîte. Oh, attendez, il y a un autre truc dedans. Oh, attendez, j'ai pas assez. C'est un serpent. C'est un serpent. On a beaucoup de trucs à tester. Juste avant, si vous aimez le concept, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est gratuit et ça m'aide énormément à supporter ma chaîne. J'ai ici l'araignée et le serpent et on va les tester tout de suite. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. Attends, non, mais c'est trop flippant ce truc. Attendez, regardez, il y a mon chat qui arrive. Il y a mes deux chats qui sont là. En fait, ce qui est flippant, c'est que tu n'as aucune idée de la direction de l'araignée. Donc, elle peut littéralement foncer sur toi, comme là.
Je vais l'utiliser pour faire des pranks, ça c'est clair. Alors on va tester le serpent, je vais voir la réaction de mes chats. Parce que normalement, les chats ont peur des serpents. Oh, oh mais attends, non mais c'est trop cool! Regardez! On dirait vraiment un vrai serpent! Mon chat! Pour vrai, ce truc est vraiment cool, on dirait vraiment un vrai serpent. On va maintenant tester cette petite voiture téléguidée qui peut aller partout, même dans l'eau. On va commencer par la tester sur la pelouse. Oh! Attends, non, mais c'est le meilleur jouet! Wouhou! Attention, il y a un obstacle, c'est ici. Oh! Oh! Alors maintenant, on va aller dans la piscine. Attention. Ok, allez, attention. Et c'est parti! Wouhou! Hey, non, mais... Wow, regarde ça! Pour l'instant, c'est l'un des meilleurs jouets. Ok, allez, maintenant on va essayer de sortir de la piscine. Est-ce que je vais pouvoir sortir d'ici? Oh! Allez! Oui! Wouhou! Oh. Je vais lui faire faire un plongeon. Oh! Eh non, mais c'est trop cool! Eh, hey, j'adore! Wouhou! Oh, oh! Ok, je vais le lancer d'ici. Attention. Wouhou! Oh, oh! Pour vrai, je donne une note de 10 sur 10 sur ce jouet. C'est complètement fou. J'adore. Je m'amuse comme un enfant. J'ai ici le jet téléguidé que je vais essayer tout de suite. Bon, alors on va se préparer pour un décollage. Oh, 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 ok. Parfait. Attention. Wouhou! Allez. Oh! Ah non, mais je suis un pro, regarde ça! Wouh! Hey! Ah non, mais c'est trop cool! Wouh! Hey, mais c'est vraiment comme un jet! Ok, on va tenter un atterrissage. Wouh! Ça... Hey! Ça se passe! Il manque! Oh! Oh! Ça... J'ai ici mon ami qui est un professionnel qui va essayer le jet. Oh, vas-y! Oh! Oh, attention! Oh! Oui! Oui! Waouh! Waouh! Oh! J'ai noté ton atterrissage. Oh! Oui! Waouh! Je donne une note de 8 sur 10. Alors maintenant, je vais ouvrir la boîte mystère qui m'a coûté 1000 euros. C'est une très grosse boîte. Je me demande vraiment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Allô? Je pense qu'il n'y a personne dans la boîte. J'ai l'impression que si j'embarque sur la boîte, elle va s'écrouler. Bon, c'est parti. Je vais monter sur la boîte. Oh, oh my god, la boîte va littéralement s'écrouler! Ah, j'ai peur! Ah! 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 Oh my god! Attends, mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi ça? Il y a des sacs? What? C'est quoi? C'est pour laisser un jetpack? Oh, mais attendez, c'est littéralement des jeux gonflables! Ah, c'est... Oh wow, c'est tellement lourd! On va tester les jeux gonflables ensemble. On se retrouve dans un instant. Je suis actuellement à l'extérieur. Il fait très très froid aujourd'hui. Alors c'est parti! Oh! Les jeux gonflables de Wish sont en train de prendre forme. Oh, c'est ridicule. Oh, mais c'est trop cool! Alors moi et Laurie allons faire le parcours de jeux gonflables. 3, 2, 1, c'est parti! Non! Alors Laurie, si tu devines le prix de cette boîte mystère Wish, je te la donne et elle est à toi. Combien penses-tu que cette boîte mystère m'a coûté? Je sais pas, 900 euros? Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Alors cette boîte mystère Wish m'a coûté 3000 euros. À savoir que j'ai commandé cette boîte mystère il y a 3 mois et elle est arrivée hier par bateau. Et c'est donc aujourd'hui que je vais l'ouvrir avec vous. Alors j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Oh my god. Attention. Oh! Ok, c'est parfait! Alors c'est le moment de vérité, voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Oh! Oh, 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 oh! Oh my god! Wow! Et c'est une Lamborghini pour enfants! Wow! Ici on a une moto avec un casque! Wow! Tim, veux-tu le mettre? Vas-y, mets le casque. Qu'est-ce que tu veux faire de la moto? Wow! J'ouvrirai la
Lamborghini, par exemple. Ah, tu veux la Lamborghini? Bon, moi, je vais prendre la moto. Enfin, c'est moi qui dois mettre le casque. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que je suis BG? J'ai un style. On va démarrer la Lamborghini. Oh, wow! Wow! Oh my god! Ok, mais c'est trop stylé! Et maintenant, je vais essayer de démarrer la moto. C'est complètement ridicule! Oh my god! Par chance que j'avais mon casque! On va aller à l'extérieur essayer la Lamborghini et la moto. Ok, et c'est parti! C'est la moto! Non! Non! T'as brisé la Lamborghini! Il l'a! Je pense que la Lamborghini est vraiment brisée, définitivement. La roue est brisée. On va appeler une remorqueuse. C'est maintenant l'heure d'ouvrir la plus grosse boîte Mystère Wish qui m'a coûté 10 000 euros. Alors regardez ça. Oh my god, la boîte est géante. Je me demande vraiment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est littéralement la plus grosse boîte mystère que j'ai vue de toute ma vie. On va ouvrir la boîte tout de suite. Comment je vais ouvrir ça maintenant? Ok. Oh, je me demande vraiment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Cette boîte mystère m'a coûté 10 000 euros, alors j'espère ne pas regretter. 3, 2, 1, c'est parti! Oh! Oh my god! Oh, c'est une voiture! Regardez, Wish! Oh! Attends, mais c'est genre une voiture chinoise? Oh! Oh wow! Oh my god! Attends, il y a de la place en arrière! Okay. Oh oui, oui! Oh, attendez, mais c'est fou! Ok, comment ça fonctionne? Comment ça marche? Oh! 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 Oh my god, c'est trop cool! Alors regardez ça! Wish! Oh my god! Oh! 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 Eh, pour vrai, c'est beaucoup trop stylé! Ah! Attention! Ah oui! Attention! C'est la meilleure boîte mystère à vie! C'est trop cool! C'est la meilleure boîte mystère à vie! Alors évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous! Et moi, je vous dis à la prochaine! Peace out, tout le monde!